Bonjour, je m'appelle Charles Dussard et je suis juriste au sein du service des achats et marchés publics à la direction des affaires financières. Je suis arrivé en avril 2021, donc là ça va faire bientôt un peu plus de 2 ans que je suis à l'université. On est 5 juristes avec le chef de service, donc on est positionné sur les différents marchés, donc moi c'est les services et les fournitures, chacun a un peu ses spécialités au sein du service. Au quotidien, on est placé sur plusieurs marchés qui sont en cours, donc différents stades de la procédure, soit on est au stade de la publication, et là on regarde s'il n'y a pas eu des questions de la part des entreprises soumissionnaires. On peut ouvrir les offres qu'on a reçues une fois qu'on a atteint la date limite de remise des offres. Après on peut préparer les rapports d'analyse des offres, préparer la présentation en commission d'appel d'offres. Le temps fort du service, c'est surtout le passage en commission d'appel d'offres. C'est à ce moment-là qu'on présente les rapports d'analyse des offres à la commission. Donc ça a lieu environ chaque mois, on fait les présentations. Le rapport d'analyse des offres, il met en avant l'offre qui présente les meilleures caractéristiques, que ce soit d'un point de vue technique, financier, ou encore pour qui répond au mieux aux enjeux de la transition écologique et sociale. Ce que j'apprécie chez CY et à mon poste, c'est qu'on est en relation avec tous les services de l'université pour leurs besoins en achat. Et ça nous met vraiment au cœur des thématiques de la transition de l'université de CY.